Belleville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux hommes, femmes, jeunes et enfants débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville? La ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fali Ipupa. Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des mille saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la Francophonie. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Actu 30. Mesdames, Messieurs, d'abord les titres. Kinshasa a déroulé son tapis rouge au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une première visite sur le sol congolais marquée par le renforcement de la coopération bilatérale. À l'occasion, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu des propos fermes contre les groupes armés, le Rwanda et les rebelles M23. Des témoignages choquants, des aveux, beaucoup de soubresauts autour du procès des présumés kidnappeurs. Le verdict est attendu incessamment. Les tout, c'est à suivre dans un instant. Le président de la CENI sollicite un échange avec l'ancien président Joseph Kabila dans le cadre des rencontres pour balayer les controverses autour du processus électoral. C'est tout pour les titres, le développement à présent. Kinshasa et Pretoria renforcent la coopération à travers des nouveaux engagements dans plusieurs secteurs. C'est l'essentiel à retenir de la visite d'État de Cyril Ramaphosa, président sud-africain à Kinshasa. Avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, ils ont planché également sur la question sécuritaire. Reportage. Une première pour Cyril Ramaphosa à Kinshasa. La nation congolaise a démontré toute son hospitalité. Le président sud-africain reçu au Palais de la Nation par son homologue Félix Tshisekedi, au cœur des échanges, l'économie et la sécurité principalement, les tout pour le renforcement de la coopération bilatérale. L'Afrique du Sud demeure un partenaire pour la RDC et vice-versa, a laissé comprendre Cyril Ramaphosa, soutenu par le président Tshisekedi, qui a évoqué les différents engagements, notamment pour booster l'économie des deux pays. Il est question de créer un axe Pretoria-Kinshasa, lequel axe va avoir des résultats positif sur toute la région d'Afrique australe. Sur le plan de la lutte contre les groupes armés en RDC, les deux chefs d'État ont soulevé la nécessité des négociations. Kinshasa n'est pas contre, mais il faut des véritables protagonistes. La réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des... Félix-Antoine Tshisekedi a reconnu le soutien des pays de la région à travers notamment les déploiements des forces de l'EAC. S'agissant des contingents des pays membres de la SADC, Kinshasa reste ouvert à leur arrivée, mais au moment opportun. J'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine. Critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. La visite d'État de Cyril Ramaphosa a été sanctionnée par un communiqué conjoint qui a décliné les différents secteurs. En justice, le verdict final du tribunal de Kinshasa Gombe sur l'affaire des kidnappings attendu dans quelques heures. À l'étape des instructions, le ministère public avait requis la peine de mort pour les accusés. C'était à l'audience foraine de mercredi au bâtiment de la territoriale dans la commune de Lingwala. Suivez. Il est 13h.
quand les prévenus sont arrivés sous conduite des forces de l'ordre au bâtiment de la territoriale. Au total, 27 personnes, dont 6 femmes, accusées d'enlèvement, extorsion et vol. Sous le regard du vice-premier ministre de l'Intérieur, celui de la foule, des différentes victimes et de leurs familles, les présumés kidnappeurs ont tour à tour comparu lors de cette audience foraine devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. VTR. Pour plusieurs, les témoignages des crimes sont graves autant que des preuves. Dans l'assistance, les Kinoises et Kinois venus en masse ne réclament que soit dit le droit. Le ministère public a dans son réquisitoire sollicité une peine capitale à l'encontre des présumés. La balle est dans les camps du tribunal pour le verdict final pour que justice soit faite. Les autorités judiciaires appelées à sanctionner sévèrement les présumés kidnappeurs arrêtés par la police nationale congolaise, une déclaration du député provincial Eric Bokula qui dénonce avec la dernière énergie le phénomène kidnapping dans la capitale congolaise. Eric Bokula encourage les initiatives prises par l'autorité urbaine, notamment l'érection des checkpoints dans la ville de Kinshasa. Suivez. Nous étions entrés en contact avec les autorités compétentes, notamment le ministre provincial de l'Intérieur, mais aussi le chef de la police de Kinshasa. Nous leur avons fait part de nos inquiétudes, nous leur avons aussi apporté des pistes et des solutions. Et de mon côté, je peux dire être quand même assez encouragé de voir que effectivement les autorités prennent cette histoire à bras le corps. Vous avez vu des mesures qui ont été prises au niveau de la province, tout comme au niveau national avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son excellence Peter Kazadi. Il y a eu des arrestations récemment. Il y a maintenant même l'annonce des patrouilles mixtes, police nationale et FARDC, et la mise en place des points de barrages, quoi, des checkpoints. Et donc on s'est dit que finalement, voilà, les autorités ont mis la main dans la pâte parce qu'il n'y a pas plus important que la sécurité des citoyens, la sécurité des Kinois. Nous appellerons aux autorités du pouvoir judiciaire, en tout cas de faire son mieux pour mettre hors d'état de nuire ces magistrats véreux qui, pour un 500 et 700 dollars, sont prêts à relâcher des malfrats qui ont tué des gens, qui ont volé, violé, mais on les libère parce qu'on a un 500, on a un 700 dollars. Dans un autre chapitre, le PPRD rejette l'invitation lancée par la CENI au président honoraire et sénateur Joseph Kabila Kabangé. La déclaration de Ferdinand Kambéré, le secrétaire permanent adjoint du parti Ferdinand Kambéré, qualifie cette initiative de la CENI à l'ancien chef de l'État d'une distraction. En même temps, Kambéré y a décelé un vice de procédure. C'est là du fait que le PPRD est inclus dans l'opposition dont une partie avait déjà été initiée par la centrale électorale. Pour rappel, la CENI avait déjà invité et reçu les leaders de l'opposition avant de vouloir autant pour le PPRD. Le dépôt à la Commission électorale nationale indépendante d'un mémorandum par Deli Sissanga, Augustin Matataponi Katumbi, à l'absence de Martin Fayulu n'est pas un synonyme d'un divorce au sein de l'opposition, selon Chantal Mouboni, porte-parole de l'ECID, qui s'en défend la démarche de ces trios et conforme à la déclaration de Lubumbashi qui confère une certaine indépendance d'action aux quatre leaders de l'opposition. On l'écoute. La signature d'une déclaration par trois candidats déclarés présidents de la République, pour nous, ce n'est pas un problème, c'est dans l'exercice normal de la démocratie. Et nous devons savoir que la déclaration de Lubumbashi a réuni quatre candidats présidents. Et c'était juste pour des actions sur terrain afin d'obtenir un processus électoral crédible, inclusif, transparent. Et puis, il faudrait aussi lutter contre l'insécurité et la vie chère. C'était pour mettre ensemble les idées et amener des actions sur terrain. Et je ne pense pas que cette déclaration pourrait enfreindre la liberté ou l'autonomie de chacun de candidats ou de partis politiques de ces candidats-là. Donc, le fait de signer une déclaration, nous pensons que ce n'est pas un problème, surtout que c'est dans le même sens, sauf seulement, là, il y a un jeu de noms des gens, mais nous pensons que
n'y a pas un problème là-dedans, pensant que la démocratie doit primer. Et la déclaration de Lubumbashi dit juste dans son paragraphe introductif, a tenu compte des différentes diversités qui puissent exister entre les différents candidats. Dans un autre chapitre, bénéficiaire de l'encadrement du service national de Kenyama Kassissi en agriculture, 2500 ménages ont produit après un an de travail près de 400 tonnes de maïs. Ces bénéficiaires sont du village Panda situé à 7 km de Kenyama Kassissi et soutenu dans le but de booster la production locale dans le sens du développement de la RDC. Nous sommes à plus ou moins 7 km du centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kassissi. Nous sommes à Mpanda. Depuis l'année passée, ce village ainsi que tant d'autres dans la zone bénéficient du programme de développement intégré du service national. Pour cette première expérience, ce service, rattaché à la présidence de la République, a eu à encadrer plus de 250 ménages. La production attendue est estimée à 400 tonnes. Soit 6000 sacs de maïs. La méthode de base, c'est l'animation rurale, c'est-à-dire on essaye d'éveiller la conscience des paysans pour qu'ils prennent au sérieux les travaux agricoles. Nous intervenons avec nos agents d'encadrement, les gens que vous voyez en tenue, ce sont les animateurs, ce sont essentiellement des agronomes qui essaie de donner, de sensibiliser la population pour qu'elle vienne adhérer à notre projet, c'est-à-dire à l'encadrement. Nous intervenons avec les intrants agricoles, avec 8 sacs, c'est-à-dire 4 pour les urées et 4 pour les NPK. Et nous avons aussi donné le matériel aratoire, les machettes, ainsi de suite. À part ça, nous donnons plus de conseils. Et pour essayer de pérenniser le travail, il faut que les encadrés nous remettent quelque chose. Comme tout début, la mise en œuvre de ce programme a eu à faire face à plusieurs difficultés. Il s'agit notamment du retard dans l'octroi des engrais et l'absence des matériels modernes. Les paysans en appellent à la prise en compte de leurs préoccupations. Pour la prochaine campagne, nous vous demanderions ceci, de nous envoyer les histoires dès l'avant. Parce que vous savez, nous atteignons déjà le mois de juillet. Ici, la pluie vient dorénavant au mois d'août, vers les 15, les 17, les 22. On a eu déjà la pluie. Si les histoires ne viennent pas avant ces dates-là précises, sinon nous allons faire des fiascos. Toutefois, ils se disent d'ores et déjà satisfaits de cette collaboration avec le service national. Un partenariat gagnant-gagnant qui fait le bonheur de plusieurs ménages. Désormais, ils ont des rêves plein la tête, ainsi que pour leur progéniture. Pour rappel, le développement intégré, c'est l'une des missions assignées au service national. L'idée est de booster la production des paysans et ainsi contribuer au développement du pays à partir de la base. Rendons-nous dans la province orientale où les coupures intempestives du courant électrique sont monnaie courante dans plusieurs entités de cette province. Inquiétante, le gouvernorat a signé un contrat avec Mi-Hydro pour une bonne desserte en électricité dans la province. La société compte produire 4,8 MW pour éclairer la cérémonie de signature du contrat a eu lieu mercredi au gouvernorat de la province. La suite en images. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeamachabidi, a signé le contrat de concession avec l'entreprise Mahydro pour la production de 4,8 MW de l'énergie électrique à partir du barrage qui sera construit sur la rivière Lubi dans les territoires de Kabeakamwanga. Cette cérémonie a eu lieu ce lundi 3 juillet dans la salle de réunion du gouvernorat de province. À l'issue de cette rencontre, le directeur technique de Mahydro a affirmé qu'ils ont franchi la première étape, celle de la signature du contrat production de 4,8 MW. Les travaux d'exécution de ce projet vont durer 20 mois.
Je suis Vivek Samnate, je travaille pour Mahidro, une entreprise américaine qui œuvre dans la production d'électricité. On est là, c'est pour le projet de la Lobby, pour la production de 4,8 MB. Nous étions venus rencontrer les gouverneurs pour la signature du contrat de concession envoyé par l'ARN. Et on est là, on vient de signer. Nous attendons un autre contrat à signer d'ici là pour la distribution. La population doit espérer parce que c'est une entreprise sérieuse qui a entamé, qui a respecté toutes les procédures possibles. Le projet n'est pas seulement pour le Gaspésie orientale, on a 33 sites au total à travers la République. Et le site de Kenankuna sera le premier, donc la population de Ouzoumane n'a qu'à espérer. C'est courant pour Mahidro. Il n'y a pas que le barrage de Loubi, il y a également d'autres sites à côté ici, dans Katabaï à Mouneditou et Kafumbo à Gandajika. Ces sites, quand on va ériger des barrages, on pourra également ramener l'électricité ici en Boujouma où il y a une grande demande. Et la motivation qu'on avait avant, c'était d'électrifier la ville avant les élections qui pointent à l'horizon. Mais avec les processus administratifs qui sont trop lents, on n'a pas pu faire cela. Mais sinon, dans un bref délai, dès qu'on commence les projets, en principe, c'est prévu pour une année et 6 mois, une fois qu'on commence les projets, pour espérer avoir l'électricité en bouche. Il a indiqué aussi que leur entreprise espère signer les contrats de concession de distribution de l'énergie électrique très bientôt. Il est à préciser que ce projet concerne la cité de Kenankuna, Katende, Chibombo, voire la ville de Mbujimayi. Revenons à Kinshasa, vers l'amélioration de la desserte en électricité de la commune des Maluku, un résultat très attendu après des plaidoyers du député provincial Papi Epiana auprès des autorités, particulièrement des responsables de la Société nationale d'électricité. La SNEL a promis d'installer un nouveau transformateur dans une des cabines électriques des Maluku. La suite en images. C'est une descente sur terrain intervenue après les cris d'alarme lancés par les habitants de la commune des Maluku. Le député provincial Papi Epiana, soucieux de la sécurité de ses électeurs, a effectué une ronde dans différentes cabines où se trouvent des transformateurs électriques en panne dans quelques quartiers de ces coins de la ville de Kinshasa. Maïs, je crois dans maïs, les lots sont au moins, banda transformé les bébés, par contre, c'est n'importe quoi, on va créer au bon sens, les lots suite et zati. Dans le lingue ouana, le col a moko, il y a au bas normal, le papona, na ouais, qu'on vend dans ma bouche au kangaté, na yé, on a au tala, peina qui ne coupe pas la porte, na qui le monde va conduire snel, balouka solution rapide, de sorte que, pour raison en masse. Pour raison en état, cette population va dans la ligne malam. Et pour y remédier à cette situation le plus rapidement possible, le député Papi Epiana a, juste après sa descente, eu un tête-à-tête avec les directeurs provinciaux de la SNEL de la ville de Kinshasa. Ces derniers l'ont rassuré qu'un transformateur électrique est disponible pour alimenter la cabine centrale des Maluku, mais l'OVD doit juste réhabiliter les tronçons qui mènent vers la dite cabine. L'élu des Maluku a pour sa part appelé la population de ses coins de la ville-province de Kinshasa à la vigilance face au vol des câbles électriques de la SNEL. Une délégation de l'équipe dirigeante de l'entreprise pétrolière Kobil SA a effectué une visite d'inspection dans certaines stations de la ville de Kinshasa pour un état des lieux de la situation dans cette entreprise. Objectif de cette ronde, de se rendre l'évidence des services rendus par cette entreprise pétrolière à sa clientèle. Reportage. À la base de cette ronde, un seul souci, celui de la mise en application des stratégies pour la relance des activités de Kobil SA. Question pour cette délégation de se faire une idée du travail des ventes qui y est abattu, d'où l'option de vérifier sur place l'état de l'outil de travail, mais aussi vivre de visu les comportements des agents dans leur lieu de travail vis-à-vis des clients qui y défilent à longueur de journée. Pas question pour les trios constitués du PCA, du DG et du DGA d'attendre les rapports transmis par les circuits hiérarchiques habituels. Sinon, qu'est de vivre l'expérience des visus et sur terrain. Le tout
dans les buts de s'imprégner de ces réalités, des défis à relever, des conditions de travail requis des agents de cette entreprise pétrolière. Au finish, il a été question de moderniser l'outil de production de l'entreprise et pour donner satisfaction aux clients. Une visite de contrôle et d'inspection pour voir un peu comment ça marche. Et c'est ce que nous venons d'effectuer. Nous avons visité 4 de nos stations. Comme ça, on a une idée de l'activité que nous sommes appelés à diriger, à contrôler. Cette descente effectuée, la satisfaction y a été au bout et dans les chefs des membres de cette délégation qui, mine de rien, s'est rapproché de la base. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative. C'est la preuve que l'actuel DG incarne la vision du chef de l'État, celle d'être proche du peuple, parce qu'il a décidé de quitter ses bureaux pour être un homme de terrain, pour constater ce que la clientèle de Kobil vit, pour palper du doigt ce que les agents de Kobil vivent, mais aussi pour voir l'outil dans quel état il se trouve. Parce que l'état propriétaire a donné à cette direction générale une mission, c'est de permettre à ce qu'il puisse faire du chiffre dans son investissement, puisque l'État est actionnaire unique dans Kobil. Et pour le faire, il faut que l'outil réponde aux normes modernes, mais aussi l'outil principal, c'est l'homme. Dans les lots des stations visitées, on y a épinglé celle dénommée Okapi dans la commune de la Gombe, les stations de Kasavubu, de Lungala et celle située au rond-point Moulard. En sport, une assemblée générale extraordinaire élective du Football Club Renaissance du Congo sera convoquée le 23 juillet prochain. La date a été fixée lors de l'assemblée générale ordinaire pour la clôture de la saison sportive 2022-2023. Assemblée tenue ce jeudi au siège des FECOFA où tout le rapport a été adopté. Pour vous, le résumé 6 à 6 fait par Willy Kindembe. Comme prévu, le 6 juillet 2023, assemblée à FC Renaissance et Salamina Fekofa. Donc, Kuna et Aliboso, Tokobos a été Renaissance du Congo Zaki na comité. Donc, Tozaki na commission à 45 jours, je suis qui Tamoulaï, ou na journal Lelo et Kogo travaille sous eux. Donc, dans le moment où la résolution Aliboso est à fin à commission il y a 45 jours. Kuna, Tozui, décision, il y a côté en place commission électorale, ou ça a duré 2 semaines. Kuna peut topé si date il y a élection. Oui, ça l'a le 23 juillet. Donc ça l'a encore le 23 juillet na Fekofa. Et na suka tozui résolution ya ko bandisa entraînement lundi équipe Renaissance a bande entraînement na pour la saison 2023-2024. Voilà ba résolution aussi na kati assemblée et à FC Renaissance du Congo. Commission est en place. Bon, ils ont la compétence bango mais na ko communiquer déjà. Le programme na bango bah déjà à partir de lundi le 10 lundi déjà il faut avoir banda déposer ma candidature à tous les postes oui à tous les postes. L'ENSA n'a pas de comité donc à tous les postes, président, vice-président, secrétaire adjoint, trésorier et les 4 conseillers, donc premier conseiller, deuxième, troisième, quatrième conseiller. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste continue sur www.actu30.cd et sur les réseaux sociaux. Au revoir. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des beaux-arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à
Faites-vous. Nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Hague de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc, ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et le son. Il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer. L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique. Ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Hague de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.